Bien, je vais vous raconter qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans la région, ça comprend l'Argentine, Vladimir David, mais aussi dans toute l'Amérique latine. Et lui participe dans un groupe politique qui s'appelle Software Logiciel, le Software Libre avec Cristina, ça veut dire logiciel libre avec Cristina, qui est de, Cristina Fernández, la présidente d'Argentine. Bien, donc ça, c'est un groupement de tous ceux qui travaillent sur le logiciel libre et qui s'identifient politiquement avec le mouvement politique et le gouvernement en Argentine actuellement. Donc un des projets phares dans lesquels ils ont travaillé s'appelle Huayra Linux. Donc c'est une distribution de Linux qui se base sur Debian, sur un projet qui a plus de 20 ans. Donc Huayra fait partie d'un programme qui s'appelle Conectar Igualdad, ou Connecter Égalité. Et donc Conectar Igualdad, c'est un programme qui a été évalué par l'ONU quand il s'agit d'un programme destiné à l'éducation. Je ne sais pas comment non t'ai entendu une part. Qu'est-ce que dit la ONU de Conectar Igualdad? Claro, no entendí lo que... Donc la ONU a reconnu ce programme comme le plus grand, le plus important du monde dans l'équipe, dans son type. Oui. Donc c'est un programme qui est destiné à l'inclusion sociale. Pour les Calibas. Donc c'est destiné aux enfants d'Argentine, et notamment à ceux qui sont scolarisés, donc pour s'intégrer, pour accéder à la technologie, notamment la technologie numérique. Donc, oui. Donc pour finaliser avec cette partie, l'idée c'était de s'indépendiser des corporations donc, multinationales, par exemple Microsoft, créer la propre distribution, les propres systèmes d'exploitation créés avec des financements publics. Et Vladimir, pour ir résumiendo et faire lugar à los autres invités, queremos que nos cuentes un poco el marco, ¿qué es el marco civil de Internet que recientemente ha sido aprobado en Brasil? Entonces, on demande un peu de raconter qué es que es el cadre civil de Internet que recemos aprobé en Brasil. El marco civil es un marco legal que regula la donc c'est un projet, le cadre civil, qui a été développé depuis 2009 au Brésil, qui a été récemment approuvé. Donc l'axe principal, c'est la neutralité du net. Donc la base c'est la garantie des citoyens pour les citoyens de leurs droits.
Juste que je vois que Roger Morsal, Samuel Lalouche, donc l'idée c'était justement ce projet apparaît comme une réponse de l'État brésilien lorsque Snowden a fait ses déclarations. Donc la partie principale c'est garantir les droits des citoyens brésiliens et cela exige aux entreprises qui fournissent Internet, qui travaillent sur Internet, d'être basées sur le Brésil pour justement avoir souveraineté. C'est vrai. Oui. Ok, vamos a parar acá por ahora. Je traduis le último. Donc elle dit que justement la neutralité du net, bon, on connaît déjà, connaissons ça, okay? On connaît qu'est-ce que c'est la neutralité du net, c'est basiquement donner le même accès à tous les sites web et services d'Internet, indépendamment du fournisseur auquel on a les contrats. Cela garantit un cadre d'égalité des citoyens auprès de l'usage d'Internet. Donc, te dejamos ahora, te cortamos por acá, así dejamos lugar a los demás invitados. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Charmando. C'était pas facile de faire en direct et dans ces conditions-là, mais c'est difficile de faire venir des gens d'un côté avec des photographes.